Vous aimez les billets anciens comme moi, comme ces deux billets de Martinique? Alors, si vous souhaitez commencer une collection, ou si vous êtes collectionneur et que vous souhaitez améliorer votre collection, suivez mes conseils dans mes vidéos. Bonjour, c'est Olivier, fondateur de Numision.com, un site entièrement consacré à la collection des billets de banque. Collectionner est un plaisir, voire pour certains une passion. Cette passion génère des besoins. Aujourd'hui, dans ma première vidéo, nous allons essayer de lister ces besoins et de voir comment le site numision.com peut y répondre. C'est parti! Le premier des besoins, s'informer. Accéder à l'information, c'est très important. Collectionner, c'est avant tout connaître. Pour acquérir de l'expérience, vous allez devoir vous documenter. Je vous donne un exemple. Prenons ce billet 10 francs Martinique avec le portrait de Colbert, 1946. Billet assez courant. Eh bien, celui-là ne l'est pas. Pourquoi? Ce billet de 10 francs de la Caisse centrale de la France d'Outre-mer a été émis dans plusieurs territoires. Pour la Martinique, ils y ont consacré la plage alphabet 11 et l'alphabet 12. L'alphabet 11 dans sa totalité, 25 lettres, mais pour l'alphabet 12, seules les 5 premières lettres ont été émises, de A à E. Donc, ce billet que vous voyez fait partie des derniers billets émis, puisque nous voyons que sa série est E12. Pour un billet plutôt courant, le 10 francs Martinique 1946, celui-ci est plutôt rare, il fait partie de la dernière lettre. Dans la collection des billets de banque, il y a deux choses à savoir. La première, comment se collectionne un billet? Un billet comporte des caractéristiques, des signatures, une date d'émission, une modification dans son design, et donc l'ensemble de ces caractéristiques constituent des variantes, et certaines variantes sont plus rares que d'autres. Par exemple, pour ce 500 francs Martinique, il existe plusieurs variantes en fonction des combinaisons des trois signatures et il existe aussi des variantes avec ou sans le petit 500 dans le coin. Donc connaître ces variantes, c'est connaître les raretés d'un billet. La deuxième chose à savoir, c'est connaître le marché. Savoir estimer la cote d'un billet, connaître sa valeur marchande. Connaître la valeur marchande de tous les billets, c'est très difficile. Donc pour cela, vous avez besoin d'aide. Soit à l'aide d'ouvrages, comme ceci. Ça c'est le tome 1, il y a le tome 2. Mais avouez, c'est pas très pratique. Soit avec Numison, avec votre mobile, on va vous donner le moyen pour que vous sachiez vous-même estimer la valeur d'un billet. Le deuxième besoin, c'est partir en quête. Collectionner, c'est toujours aller chercher le billet qui vous manque. Au début, c'est très facile. Ensuite, ça se complique. Au fur et à mesure que votre collection s'agrandit, la recherche est de plus en plus compliquée. Donc vous passez beaucoup de temps sur les différents sites internet pour lister toutes les annonces, toutes les ventes, tous les catalogues des différentes maisons afin d'espérer trouver le billet qui vous manque. Troisième besoin, acheter et parfois vendre. Acheter parce qu'on éprouve un bonheur immense à mettre dans son classeur un billet qu'on cherche depuis longtemps. Et vendre parce que parfois, il faut savoir vendre ses doubles pour générer de la trésorerie et pouvoir continuer sa collection. À cette occasion, Numison est en train de développer une marketplace, c'est-à-dire une place de marché où chaque collectionneur peut mettre en vente ses billets et faire profiter d'autres collectionneurs avec des transactions sécurisées. Le quatrième des besoins, c'est partager. Partager sa passion avec des gens qui vous comprennent. Cette histoire du 10 francs Martinique E12, il n'y a que vous qui la compreniez. Pour cela, soit vous participez à des salons numismatiques, c'est que du bonheur, mais ça n'arrive pas tous les jours. Soit vous allez sur Numison, il y a une section actualité, où là, nous essayons de partager des informations, où même des collectionneurs peuvent partager leurs trouvailles, et ainsi vous satisfaire ou enrichir votre connaissance. Voilà, s'informer, partir en quête, acheter, vendre, partager, voilà les besoins des collectionneurs de billets de banque. Maintenant, je vais vous montrer comment Numison, le site dédié à la collection des billets de banque, peut satisfaire tous ces besoins. C'est parti. Nous avons différentes sections. La première des sections s'appelle le catalogue. Le catalogue est l'ensemble des fiches billets que nous avons créées avec plein d'informations sur ce billet. Parmi ces informations, vous avez les statistiques PMG, c'est-à-dire le nombre de billets gradés par qualité. Vous avez également la petite cloche qui vous permet de mettre ce billet en alerte, c'est-à-dire de recevoir une notification ou un mail lorsque un exemplaire de ce billet est en vente. Nous avons la deuxième section qui est les annonces. Les annonces sont les annonces eBay que nous avons récoltées depuis eBay
et que nous vous présentons avec différents critères de recherche. Dans le détail de l'annonce, vous avez un lien directement sur le site eBay pour pouvoir l'acheter si il vous intéresse. Bien sûr, toujours l'alerte pour être alerté quand une nouvelle annonce arrive. Troisième section, les archives. Les archives représentent les résultats de vente des différentes maisons. Par exemple, ce billet, pour 9, a été vendu 174 € le 6 juillet 2021 sur le site cgb.fr. Grâce à ces résultats de vente, nous avons pu calculer une grille de cotation avec les différentes échelles de qualité. Ces résultats de vente sont également visualisables sous forme de tableaux triables par qualité, par prix ou par numéro. Quatrième section, l'inventaire. L'inventaire est une espèce de collection idéale où chacun d'entre nous peut ajouter son billet. Cet inventaire est consultable sous forme de tableau également, triable, par grade, par numéro ou par date. Une section actualité, où nous partageons des informations sur différents sujets, des informations que parfois vous nous envoyez par mail et que nous mettons en forme pour vous présenter sous forme d'articles. Le site est muni d'une fonction de recherche où vous pouvez chercher parmi les fiches, parmi les annonces eBay, parmi les archives de vente ou parmi l'inventaire, le billet qui vous intéresse, par exemple le Martinique, 10 francs Colbert, tout de suite vous le trouvez et hop, vous tombez directement sur l'inventaire du 10 francs Colbert. Enfin, nous avons une section boutique avec les billets qu'on nous confie, donc que nous avons en stock. Nous les vendons à achat immédiat à prix fixe. Si le billet vous intéresse, vous pouvez le mettre dans votre panier et procéder au règlement en toute sécurité. Voilà. Pour retrouver plus d'informations sur comment utiliser ces différentes sections, retrouvez dans la description de cette vidéo un lien sur chaque vidéo qui présente chaque section dans son détail. J'espère que vous avez passé un bon moment à découvrir numizon.com. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.